Nous sommes à Carfa Mouria, une sous-préfecture située à 6 km de Cancan. Ici, 14 des 23 conseillers de la commune rurale ont signé une pétition pour amener le maire et l'exécutif communal à démissionner. En plus des actions opaques, il est reproché au maire Abdoulaye Kaba, qui se trouve aussi être député à la 9e législature de l'Assemblée nationale, de refuser d'organiser les sessions ordinaires et extraordinaires. Selon le porte-parole des 14 conseillers frondeurs, depuis leur installation au mois d'octobre 2018, ils n'ont tenu que 2 sessions ordinaires et 2 sessions extraordinaires. Depuis notre installation, à notre connaissance, on a tenu 2 sessions. La session extraordinaire, je pense que c'était 2. Abdoulaye Kaba, le maire député, s'inscrit en faux et fait savoir qu'ils ont tenu 4 sessions ordinaires. Je vous ai montré le registre. Vous-même, vous pouvez témoigner ça partout. On a fait 4 sessions ordinaires. Et l'absence prolongée du maire député à son poste a impacté négativement les activités de la commune rurale de Carfa Mouria. Et par conséquent, ils veulent la destitution de l'exécutif communal. Le maire a fait beaucoup de temps à Conakry sans même pouvoir donner son cachet à son adjoint. Cela a causé beaucoup de problèmes ici. On s'est plaigné un peu partout. On a demandé un peu partout des sessions. On a écrit non seulement à lui, à sa présence ici, on a demandé une session. Ils n'ont pas accepté. À son absence, on a adressé une ou deux lettres au bureau exécutif. Ils n'ont pas accepté la session. On a adressé une lettre au sous-préfet. Ils n'ont pas accepté la session. Juste pour ne pas qu'on demande un compte-rendu financier et puis les projets réalisés dans la... Nous voulons destituer le bureau exécutif. Parce que, à part le maire d'abord, le bureau exécutif, les vices-là nous ont montré leur incapacité. Les conseillers frondeurs ont demandé des explications au maire concernant la gestion d'un montant de 47 millions de francs guinéens laissé par la délégation spéciale et 100 millions octroyés par l'ANAFIC. Sans montrer des pièces justificatives, le maire a laissé entendre que des dépenses ont été faites à hauteur de 40 millions. Sur les 100 millions de l'ANAFIC, Abdoulaye Kaba dit que l'argent est au niveau de l'agence. Cette bisbille est loin de terminer. D'autant plus que les frondeurs ont adressé une lettre au préfet de Cancan pour demander son implication dans la crise.